Ça record-tu? Ça part de façon classique. Je sais même pas si ça record mon shit. Ouais, ça record. Good. C'est ton move. Je ride droit. Un simulateur de course de moto. J'ai de la misère à me concentrer en jouant puis à parler. Je veux juste dire que le jeu est à... Le jeu atteint un niveau de difficulté incomparable dans tous les fucking jeux vidéo que j'ai fait. I'm sure you want to replay the race. Pour commencer ta carrière, tu t'apprennes à jouer carrément, différentes motos, whatever, puis t'as un permis à passer d'apprenti pour avoir le droit de t'inscrire à ton espèce de premier tournoi de pro si tu veux. Puis il y a 4 étapes, 4 examens si tu veux à passer pour le permis apprenti. Je suis rendu à 4e étape. Je suis rendu à 4e étape sur... c'est ça. Je suis rendu à 4e étape sur 4. Tout ce que je dois faire, c'est... un lap contre un AI. Un contre un en course de moto contre un ordi, dans le fond. Ça, c'est la 4e étape sur 4. Les 3 d'avant étaient dans le but de m'entraîner à cette épreuve-là. Et après 500 quelques kilomètres à faire... cette 4e épreuve là que je suis en train de faire live, j'ai pas encore réussi, puis le jeu est à very easy, 20% de ce que la difficulté a à offrir. Je suis jamais, ça fait 4 heures que je suis jamais dans la 4e épreuve qui est de faire un tour contre l'ordi puis de la battre de 5 secondes. Puis il y a la possibilité que je sois juste un esti d'épée qui est épais pis qui fait juste continuer d'être épais. Ou ben non, le jeu est tellement bien conçu pour t'apprendre ou te faire prendre conscience de la difficulté de la course de moto. C'est hallucinant. J'ai aucun doute après avoir joué 4 heures dans cette crise de piste là que chauffer une moto sur une piste de course, ça doit être dur en tabarnak. Ça a l'air de rien, c'est sûr, quand on est juste spectateur, mais chacun de mes doigts sert à quelque chose, sa manette. Oh! Très bon dépassement. Je fais le contrepoids de mon personnage sa moto. Je peux me servir du break avant puis du break arrière de la moto. Je vais donner du gaz en conséquence. Shifter mes vitesses. Ah, j'ai passé de rette. Mais voilà. Un autre start. Ça fait 4 heures que je me suis dit que j'allais saver une vidéo pour faire appeler ça. C'est hallucinant, j'ai 5 secondes. Je dois prendre 5 secondes d'avance sur lui, finir la course. Le mieux que j'ai fait, c'est 4. 4 secondes point 722e. J'étais en avance de 4.7 secondes sur le gars, mais pas de 5. Ça n'a pas compté. Passe en moto si celui qui écoute est pas vraiment un passionné. Oh my god, c'est ça qui arrive. Je sais pas ce que j'allais ajouter, mais c'est que c'est dur de juste rester debout de sa moto, genre. Ça en est dur. Tu te servir du break avant, transfert de poids, break arrière, transfert de poids, accélération, décélération. Tu dois tout le temps t'assurer que tu as un angle puis une vitesse qui fait en sorte que ta moto peut être inclinée puis qu'elle tombe pas. La moto s'appuie sur elle-même puis sur la route. C'est fourrette. Ça me fait prendre conscience. C'est fourrette. Le BC qui est pesant. Je suis capable de dire que le BC qui est pesant. Fucking bon jeu. 13$. Déjà joué 4 heures. Pas fini de jouer. 13 fucking pièces. My god, c'est la run.
Tiens, ferme ta gueule!